Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Du coup, je la fais que ce matin ma vidéo pour les capsules altérées dont je vous ai parlé hier. Donc, je vais vous faire un petit tuto. Je vais vous montrer celles que j'ai faites. Je les ai fait samedi soir. J'en ai fait quelques-unes. Donc, moi, j'utilise pas le glossy avec des images. En fait, je mets carrément des décos dessus. Donc, c'est des capsules de récup. Hein. Donc je mets des fleurs, des perles, dentelles. Donc il y a celle-ci. J'ai fait celle-ci. Celle-ci. Ça vous fait des beaux embellissements pour vos albums, vos pages, vos cartes, etc. Donc celle-ci. Moi je les fais d'avance, je les mets dans une boîte et comme ça j'en ai toujours sous la main. Ça va, je vous le montrer. Celle-ci. Et celle-ci qui est plus grosse parce qu'en fait derrière j'ai carrément collé une fleur au crochet. Donc voilà. Maintenant, pour celles qui n'ont pas de capsule et qui voudraient faire ce genre de petites choses, tout simplement sur un rond de papier, en fait, j'ai fait un test. Bah, c'est pareil, hein, c'est juste que c'est moins rigide. Enfin, si, c'est quand même rigide. Hein. Et bon, moi j'avais des capsules, je les ai utilisées, mais après, je sais que si j'en ai plus, je ferai comme ça. En fait, sur un rond de papier, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc voilà. Donc pour ça, on va prendre. Moi je les écrase à l'avant, ça j'en ai écrasé plusieurs. Pour les écraser, ce que je fais, moi j'écarte d'abord, j'écarte avec une pince au maximum. Et après je les passe à la machine de découpe. Par contre, moi personnellement je mets un carton. Entre la capsule et la plaque en plexi pour pas trop l'abîmer quoi. Donc voilà. Alors, une capsule. Je vais prendre des strass. De partout. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller les strass au niveau du blanc. Si je mets de la colle, ça serait peut-être mieux. Je crois que j'en ai encore un peu. Pareil, je pense que j'ai rien inventé. Hein. Il doit y avoir plein de tutos sur YouTube. Moi, après, c'est ma façon de faire. Je fais comme ça. J'ai pas encore essayé avec les images et le glossy. Parce que j'ai pas de glossy. Et apparemment, il y a d'autres colles qui fonctionnent. Il faudrait essayer. Il y en a une de chez Action, apparemment, qui est pas mal. Mais je l'ai pas trouvé cette colle. Parce que le glossy, ça reste quand même une colle assez, assez chère, quoi. Et moi, le but, c'est de faire avec de la récup, mais pas mettre 8 euros dans un tube de colle, quoi. Donc, moi, ça me va très bien. Et j'aime quand c'est vraiment en volume. Après, ce que je fais aussi, pour remplacer les images, et si vraiment je veux juste une image, quoi, je mets ça. Je mets les brads. En fait, je vais vous montrer vite fait sans coller. Ça rentre parfaitement dans le. Ça rentre dans le rond. Bon, vous n'allez pas voir grand chose. Ça bouge.
Donc voilà. Ça peut être aussi sympa. Je l'avais déjà fait sur des capsules. Je crois que j'en ai utilisé une. Attendez, je vais vous montrer. Là, j'avais collé un brad avec des strass. Donc voilà, ça marche très bien aussi. Donc une fois que j'ai mis ça, je vais prendre de la dentelle, un petit morceau. Je mets un peu de colle. Et là, en fait, je le fronce comme ça. Donc je le fronce. Ensuite, je vais prendre mon rose. Et j'aurais voulu une feuille. Et je vais mettre une paire. Non, je vais mettre ça. Pour les pistilles, si vous en cherchez, moi je les ai pris sur Amazon. Le paquet comme ça, donc il y en a. Il me semble qu'il y en a 170 dedans, quelque chose comme ça. C'est pas marqué dessus. J'ai payé 64 centimes. Donc franchement, c'est pas cher. Parce qu'au début, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, je les faisais moi-même, mais alors, ça prend un temps fou. Et. Pour ce prix-là, franchement, ça vaut pas le coup de s'embêter. La livraison, elle est gratuite en plus. Je suis un peu gauche ce matin. Donc voilà, ça vous donne. En farine avec un brad, comme ça vous allez voir. Je vais prendre celui-là. Alors moi ce que je fais par contre, je coupe les pattes parce que ça gêne. Un coup de ciseau, c'est bon. Capsules, je les ai mises où? La fille qui est très organisée déjà. Donc, pareil, je vais reprendre des strass. Je vais pas prendre celle-là, j'en ai pas de rouge. Si j'en ai. Enfin, c'est pas des strass, hein, je vous l'avais déjà dit. Ça a l'apparence des strass, mais c'est pas des strass, c'est des creux brillants. Mais ça fait vraiment un effet d'optique. On croirait des strass, mais non. C'est creux en fait.
J'ai refait mes ongles hier, mais en fait, je les ai fait trop longs. Et quand on scrape, c'est chiant. Parce que je sais pas si je... Non, je vous l'ai pas dit. En fait, en parallèle, je fais une formation d'onglerie, prothésiste ongulaire, que j'ai pas terminée. Et qu'il faut absolument que je termine avant mars, ça serait pas mal. J'ai pris du retard aussi. Donc voilà. J'ai encore beaucoup de boulot. C'est pas évident, mais bon. Voilà, ça vous fait ça. Tout simplement. Comme ça, vous embêtez pas. Après, avec plein de choses, on peut faire ça. Et sur un rond de papier, je vais vous montrer. Bah, de toute façon, c'est le même système en fait. J'avais un rond tout à l'heure. Je vais changer. C'est pas grave. Je vais refaire un. Vous prenez dans vos chutes, hein, évidemment. Donc, vous découpez votre rond. Moi, ce que je vais faire, je vais coller de la dentelle autour, je pense. Je vais pas prendre celle-là. Pareil. On met de la colle. Et je fronce en fait autour. Voilà, je me bats avec la colle, hein. Vous avez l'habitude. Donc voilà, vous froncez autour, ça vous donne ça. Et ensuite, pareil, hein. Vous collez ce que vous voulez à l'intérieur. Je sais pas si j'ai des cœurs. Hein. J'ai un petit cœur là. Ouais, j'ai pas de ça, tu vois. Ça, qu'est-ce que je vais mettre? Si vous de stress, vous pouvez les découper
avec une petite paire. Voilà, ça te donne ça. Et je vais rajouter une perle en haut. Pas s'ils font encore les perles chez Action, les gros paquets. Ouais, je regarde, c'est tout ce que j'utilise. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc là, j'ai mis les petites perles. Bon, c'est des trucs basiques en fait, c'est pas ça a l'air compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. Et avec deux trois bricolettes que vous avez, il y a moyen de faire quelque chose quoi. Donc voilà, même sans capsule, vous pouvez faire des embellissements quoi. Bah écoutez, pour cette vidéo, ça sera tout parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à vous montrer d'autre. Je vais préparer un prochain tuto pour un mini-album, je pense. Je suis en train de le faire, enfin, faut que je fasse tout le tuto, donc je vais voir comment je vais le faire. Et je vous mettrai ça en vidéo. Et puis voilà. Bah, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. À bientôt!